cette nouvelle donne rebat les cartes et une question se pose. Cette situation anéantira-t-elle les discussions autour du projet d'évolution institutionnelle engagé il y a 2 ans entre la Corse et Paris? En tous les cas, par la force des choses, la commission spécifiquement dédiée à la Corse à l'Assemblée nationale est à l'arrêt. En revanche, celle du Sénat se poursuit. Elle était d'ailleurs à Ajaccio aujourd'hui, l'occasion de recueillir les premières réactions. Dominique Moret, Jean-Philippe Mattei et Stéphane Paul. Une poignée de main qui vient rappeler que les travaux parlementaires ne sont pas à l'arrêt. La commission des lois du Sénat poursuit ses auditions dans le cadre du projet de révision constitutionnelle. Si l'Assemblée nationale est dissoute, le Sénat demeure. Nous rendrons un rapport, comme il était prévu, probablement à la rentrée de septembre, de début octobre, et nous ferons le travail jusqu'au bout. Car ce travail, il sera utile. Il sera utile le moment venu, lorsque l'Assemblée sera reconstituée. Gilles Siméon ne s'exprimera pas face caméra aujourd'hui. Une période d'incertitude s'ouvre. Trouver une majorité de 3/5 au Parlement pour modifier la Constitution et accorder l'autonomie à la Corse relevait déjà de la gageure avec l'Assemblée sortante. Pour la presse 7 juillet, les inconnues sont nombreuses. Le président a joué un peu la provoque en disant « Regardez ce que vous faites, il faut peut-être se reprendre. S'il y a après le 7 juillet un gouvernement peut-être élargi, que ce n'est pas le RN qui est en cohabitation, je pense qu'on peut encore discuter sur le sujet de l'autonomie sans aucun problème. Si c'était le RN ? Si c'est le RN, les choses sont bien plus compliquées. Initié après les troubles consécutifs à l'agression d'Yvan Colonne en mars 2022, le processus de Beauvau a pris une dimension concrète avec le discours d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée territoriale le 27 septembre dernier. Cet engagement de l'État est censé prévaloir, quels que soient les gouvernements. C'est du moins ainsi que l'entend Jean-Christophe Angelini, malgré les doutes. Je pense qu'il y a une part irréversible dans ce processus et que la part présidentielle a été posée et quelque part demeure. Donc nous nous attachons à ça, mais nous sommes lucides. Et nous savons aussi que ce sera fonction du prochain gouvernement et du prochain Premier ministre. Donc il y a encore une fois 3 semaines de mobilisation et d'engagement. Et nous verrons au terme de cette période ce qu'il conviendra de faire. Pour Jean-Martin Mandoloni, tout dépendra du résultat des élections et de la composition du prochain gouvernement dans un contexte où la Corse a moins d'importance dans l'opinion. Je ne crois pas que ce sujet soit une priorité en France aujourd'hui qui traverse une grave crise sociale, économique et désormais politique. La vraie question, c'est de savoir où va la France aujourd'hui et avec qui. Et partant de là, évidemment, la Corse a toute sa place dans cet ensemble de décisions et de stratégies. Mais je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, cette question-là n'est plus dans l'ordre des priorités. Dans les états-majors, l'heure est à la concertation. Le PNC se réunit ce soir, ainsi que Femagurtz, qui attend avant de prendre une position officielle. Même attitude pour Nation et qui se réunit demain. Puis viendra le temps de la campagne électorale.